Salut à tous, c'est Tony. Donc aujourd'hui, je vais aller bosser que ce matin, donc rapidement. Donc hier, j'ai posé le clapet aérateur et j'ai eu beaucoup de questions. Et il y a un de mes abonnés, je ne me rappelle plus son nom malheureusement, qui m'a dit qu'on n'avait pas le droit de le mettre, de mettre d'autres éléments dessus. Donc il a tout à fait raison, on ne peut pas mettre. Logiquement, en fait, la ligne, le tuyau PVC, il doit aller jusqu'à la colonne où ça descend comme ça. Des fois, quand tu es en réno, tu n'as pas le choix ou tu n'as pas accès à cette colonne. Moi, ça m'est déjà arrivé, la colonne, elle passe, je sais pas, il y en a un qui a bricolé, qui a mis la colonne dans une cheminée en brique, tu n'as pas accès. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis deux clapets aérateurs. Donc, aujourd'hui, là, je viens de passer chez le fournisseur. Je vais chercher des bouchons en 1 pouce et demi, en laiton, tu vois. J'en ai pris deux, vu que j'ai mis deux clapets aérateurs. Et ce que je vais essayer de vous faire aujourd'hui, je vais vous faire une démo de à quoi ça sert le clapet aérateur. Moi, je sais ce que ça va faire. Ça va faire un carnage quand je vais pas le mettre. Ça va péter de partout. Et vous allez voir qu'avec le clapet aérateur, on a beaucoup, beaucoup moins de soucis. Il reste toujours un petit souci. L'eau, elle va faire ça. Mais c'est tout. Ça va pas faire bombe atomique dans la douche ou dans la baignoire. Donc du coup, je vais vous montrer ça ce matin. Après, hier j'ai reçu le colis Bernard, la vidéo elle va sortir je pense dans la matinée parce que chez le client j'ai de la 4G au fait, moi j'envoie les vidéos que en 4G hein, sinon c'est pas assez rapide, chez moi le wifi c'est pas performant hein, et il faut que j'aille au dépôt et ça me fait chier d'aller prendre le camion pour aller au dépôt pour uploader les vidéos, du coup j'upload les vidéos quand je suis en 4G, il y a ça. Du coup là j'ai commencé à, j'ai vu que celui qui se met des pouces dans le derrière il continue au fait. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé à supprimer Superstar and Stop. J'ai commencé à supprimer les évaluations sur les vidéos, donc sur les plus anciennes. J'avais mis en privé quelques vidéos d'outillage. Donc, si vous êtes abonné depuis pas longtemps, vous pouvez aller voir. Il y a une vidéo sur la coupeuse Milwaukee, sur ma lampe Festool, sur une pincée de mât à faire les chevilles molly, celle que j'utilise tout le temps. C'est tout le temps la même, ça fait déjà 3 ans que je l'ai, et franchement elle est bien. Ça s'use mais elle est bien. Et sur 2-3 autres outils que j'ai, donc les vidéos elles sont réuploadées. Enfin elles sont de nouveau accessibles en public, donc si vous voulez vous pouvez aller voir. Du coup maintenant toutes les vidéos elles sortiront avec... En fait vous aurez plus la possibilité de voir les évaluations sauf la vôtre. Donc du coup... Comme ça, on n'en parle plus ça et on passe à autre chose quoi. J'ai pas de temps à perdre avec ces conneries-là. Il y a juste un abonné qui m'a mis un pouce rouge et il a raison, c'est parce que je filme debout. Mais bon, après des fois j'ai pas le choix là. Quand j'ai filmé la bouteille de découplage dans ma chaufferie, en fait c'est un couloir. Et donc je voulais vous montrer plein de trucs. Si je le tenais en format paysage, on n'aurait rien vu. Donc du coup j'ai filmé en portrait. Et des fois, j'ai pas le choix de filmer en portrait. Du coup, je sais que ça fait chier certains. Je comprends. Après, moi, je regarde souvent les vidéos sur le téléphone, donc c'est pas trop gênant. Mais quand on regarde sur l'ordinateur, c'est super chiant, ça, je le sais. Hein. Y a pas de souci sur ça. Du coup, je fais super gaffe maintenant. Mais quand j'ai pas le choix, je filme en portrait. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, si vous voulez, bah, vous mettez un pouce rouge sur cette vidéo, ça me dérangera pas. Et si vous me dites pourquoi, c'est même encore mieux. D'ailleurs, un grand merci à toi d'avoir dit pourquoi t'as mis un pouce rouge. T'es le seul actuellement. Surtout les guignols qui mettent des pouces rouges. Donc voilà. Et je sais pas si je vous ai dit, j'ai reçu le colis Berner. Ouais, si je vous l'ai dit. Donc du coup, la vidéo elle sortira et vous verrez ce que j'ai reçu. Donc voilà. Allez, salut à tous, c'est Tony. Ciao. Ah, si vous avez des questions sur le clapet aérateur, je vais uploader tout de suite cette vidéo là. Il doit être il est 8h30. Donc si vous avez des questions, envoyez-les moi avant ce matin. Comme ça, j'essaierai de vous faire une démo, sinon je le ferai la semaine prochaine. Salut !